Bonjour à tous les amis, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du mode Pro Leader avec nos premiers monuments sur le Tour des Flandres. C'est un peu la galère parce que là je dois gérer à l'oreillette Mathieu Van Der Poel, c'est un peu la galère. Ah ok, il est revenu dans le bon groupe Mathieu. Alors déjà voilà, on va lui dire quand même de suivre les attaques, mais à mon avis il doit pas être non plus très loin de l'arrivée. Ok mais... Mais gros! Bon reste là, du moment que tu prends ton bleu, ok. Merde. Il s'est fait piéger, Mathieu. Mais gros, il a réussi à se faire piéger. Mais gros, tu lui demandes de suivre les attaques. Il se fait piéger, Mathieu. Il peut gagner le Tour des Flandres. Il va se faire piéger, celui-là. Oh, c'est bien beau, ça. Ah, moins que... Il est revenu, Mathieu Van Der Poel. Il est incroyable. Tom, maintenant. Allez, vas-y, mon petit. Oh non, mais vas-y, cette oreillette, gros. Vas-y, l'oreillette qui nous détruit la course. À moins que. J'ai pas fait gaffe s'il gagne. Et nous, on va faire nos derniers mètres dans ce Tour des Flandres. On va. Bon, par contre, vraiment, niveau lag dans le jeu, c'est incroyable. Hein. Bon, il peut se faire sa fin de course, Féliné, tout seul. Je sais pas si on gagne. Hein. J'aimerais bien, bon, par contre, Gaudu finit un peu plus loin, mais niveau, voilà, dans notre équipe, niveau pavé, on a personne. On a personne, mais par contre, on va, après les podiums, ce qu'on va aimer, c'est très important, les augmentations, parce que là, on en a pas mal, les augmentations. On a peut-être un plus 3, plus 4, plus 3, c'est sûr. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il va gagner ? Nathan, sagement. Il a maîtrisé les petites routes flandriennes. Yes! Voici le vainqueur de sa flamme classique. Mathieu Van Der Poel. Boum! C'est un monument qui s'ajoute à son palmarès. Bravo à lui! Yes! Et on vient d'avoir le trophée Roi Démon, vu qu'on a remporté le Tour des Flandres avec Mathieu Van Der Poel. Victoire de Mathieu Van Der Poel au sprint. Mais parce que la dernière fois que j'ai mis dans l'oreillette la place, bah, je savais pas en fait. Si c'était lui ou pas qui était en tête, ça comptait sûrement après la ligne. Mais victoire de Mathieu Van Der Poel, qui remporte son premier monument. Par contre, on fait toujours le triplé, hein, ça change pas. Toujours en triplé. Par contre, hein, Mollema avec sa place, il prend 30 points, du coup il nous passe devant. C'est pas bien ça, Beauqueux. On a qui d'autre qui est dans le top 10 dans notre équipe? Et ben on a personne, on a David Gaudu qui est descendu à la 17ème place. Oh David! Et on a 35ème Fabio Felliné et 49ème Daniel Oss qui a pris des points aujourd'hui, attendez. S'il est un peu ici, Daniel Oss. 49, on a dit 49ème. Et oui, il prend 15 PPC, ses premiers points. Classement par équipe 638 points à la Jumbo, on les éclate pour le moment. Mais vu leur équipe sur le tour, plus 9! Oh là 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 là. Du coup, déjà en pavé, terminé le Vlaanderen classique. Ça c'est fait. Récupération. Non. Résistance. Terminé un monument. Endurance. Terminé un monument. 76 endurance. Et 75 niveau. Non, 76 résistance et 75 endurance. Prologue 69, terminer un monument. Contre la montre 69, terminer un monument. Vallon, terminer le Vlaanderen classique. Terminer un monument en accélération 75. Terminer le Vlaanderen classique et un monument, ça nous fait un beau petit 69 de plaine. Et on a 79,4 de général. Ah, je ne m'y attendais pas du tout au plus 9 et on est du coup à 61% de nos capacités. Ça nous fait augmenter de 1% nos capacités, mais c'est que 2 défis en fait qui sont réalisés. Mais sur plusieurs, ça marque dans plusieurs catégories. Du coup, voilà. On va se retrouver tout de suite pour Paris-Roubaix. Là aussi, on va avoir des augmentations. Et Liège-Bastogne joue aussi. De toute façon, on va le faire dans cette vidéo. Ciao. Paris-Roubaix, mais j'ai trop le seum. Van Der Poel va pas pouvoir gagner à moins d'une défaillance de Van Aert. Mais oh, par contre, si vous t'as une défaillance là, je rigole. Mais je rigole, mais un point. Vous pouvez pas savoir à quel point je rigolerai. Attendez, mais les gars, on n'est pas dans les 5 derniers kilomètres là, ce que je vois. Hein.
attention. Ouais, mais il va bientôt rentrer dans le vélodrome. Non, il peut pas tenir ce rythme très longtemps, tu risques une défaillance. Allez, oh, ils sont revenus. Oh non, oh terrible, oh terrible. Allez, 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 okay. Allez, 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 c'est dans le vélodrome. Allez, mon petit, allez, Mathieu. Allez, mec, il est que troisième. Non, oh, j'ai le seul. Par contre, là, c'est qui est en pôle? Normalement, il est plus rapide. Hein. Allez, allez, allez. Oh non, il fait deux. Oh, le seul, il fait deux. Oh là 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 là. Bon, par contre, nous, on finit en. En roue libre. Ce Paris-Roubaix, hein. Bon, voilà, on va le finir, on va finir. Attendez. 134e. Est-ce qu'on finirait parmi les 130 premiers? Voilà, allez. On finit devant Daryl, du coup, à la fin. Allez. Let's go. Il termine étape et Godu qui arrive. Oh, oh, par contre, Godu, j'avoue, il est dernier là. Mais toi, quelle idée de mettre David Godu sur Paris-Roubaix? C'était soit Godu, soit Formolo. Mais Godu est meilleur sur pavé que Formolo. Du coup, dans les deux cas, ouais, il faut que j'investisse plus dans les coureurs pavés. Mais bon, voilà, en même temps, c'est pas non plus hyper grave. Mais bon, voilà. Est-ce que, je pense pas qu'il s'impose. Ce serait incroyable s'il fait le doublé, mais j'y crois pas. Mesdames et messieurs, je veux une ovation pour le champion qui arrive. Wood Van Aert. Voici le vainqueur de Paris-Roubaix. Les deux ennemis du cyclocross, Van Aert, Van der Poel, ils sont là. L'un gagne le Tour des Flandres, l'autre gagne Paris-Roubaix. C'est pas grave. Parce que Van Aert, je le veux dans mon équipe l'année prochaine. Je veux les deux dans mon équipe. Ne vous inquiétez pas, ça va faire très mal. Et par contre, on est descendu 6e au classement individuel. Ah ouais, ça pique. Hein. Ah, Van Der... ouais, vous de Van Aert, hein, il avait que 111 points. Là, il... ouais, attends, j'avoue. Mathieu Van Der Poel, il est premier. Hein. Il a plus de 100 points d'avance sur moi. Et j'en ai pas pris pour le moment. Terminé Paris-Roubaix, plus 3, 62 pavés, 70 en plaine, ça nous fait... Après, c'est où que ça nous... C'est en résistance. Ouais, en endurance, terminé Paris-Roubaix. Et on a quoi d'autre? C'est terminé un championnat du monde qu'on peut faire bientôt. Ah, voilà, terminé Liège-Bastogne-Liège. Ok, c'est terminé Liège-Bastogne-Liège qu'on aura prochainement... Et en vallon aussi, du coup, terminer Liège. Et j'aimerais bien gagner bientôt une course, hein, parce que pour le moment, j'ai rien gagné. Hein. Tout de suite dans le final de Liège-Bastogne-Liège, où ça va. On voyait. C'est la seule fois que j'ai pas fait rouler mes coéquipiers et pas attaqué. Pour le moment, Maïka, c'est terminé. Voilà, on va pas arriver à 39. Hein. Vlasov, c'est fini. Il y a encore des Krak Andersen et des Castroviro à distancer dans cette montée. Voilà, peut-être dans la rampe finale, essayer de passer à une offensive. Valverde, il l'a vu que j'allais passer à l'offensive. J'ai que 73 vallons, mais vu mes stats physiques et ma note montagne, on me surveille davantage. Oh, vas-y, les lâcher, Mathieu Van Der Poel. Oh, j'ai le seum. Ils sont lâchés, mes autres coéquipiers. Bon, en tout cas, Féliné et Daryl Impé, c'est fini. La roche au faucon n'aura pas permis à un coureur de faire la différence. Alors, il reste encore un long faux plat pour les départager. Sinon, ça va se finir au sprint. On est plus que 10, hein. Ok. Pour le moment, c'est ça qui reste important pour le moment. À la file, encore Jungels à ses côtés. C'est important, c'est une chose importante aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel. Qu'est-ce que tu fous, gros? Attends, non, on va dire à Mollema de rester là parce qu'il y a Formolo qui va pouvoir rapporter Mollema. Ah non, là, on n'est plus dans les passages à 3-4%. C'est pas dans les parties où ça remonte bien. Hein. Dans les roues, coûte que... Alors, je vois même pas pourquoi je roulerais pour eux. J'ai tous mes coéquipiers qui sont lâchés derrière. Hein. Je suis la seule chance de mon équipe pour le moment. Ah là, quoi, hein. D'ailleurs, on va donner à Godu son gel. Toi, fini. Mollema. Ok. Je vais attaquer. Et on va devoir rester. On va devoir rester dans le bon groupe. Allez, et là, dans les passages à 7%, on peut attaquer. Hein. C'est pas moi qu'on attend. Attention. Est-ce que ça m'a suivi? Eh oui, ça m'a suivi. Hein. Ah, la fille m'a suivi. Est-ce qu'on va faire comme Andy? Voilà, on est Andy Schleck. On va dire qu'on est Andy Schleck Junior. Voilà, est-ce qu'on va faire comme le vrai Schleck, gagner Liège-Bastogne-Liège, parce que Andy, quand il était coureur, il a remporté Liège-Bastogne-Liège en 2009. Bon, il reste 10 bornes, hein, on va se calmer un peu.
Après, à l'époque, le parcours était un peu plus sélectif que celui-là. Enfin, il y avait quand même... Il manque la côte de Saint-Nicolas et la côte de Hans. Ça descend jusqu'à la... Ah yes, ils sont revenus, Tac, c'est fini. Oh, merde, c'est moi. J'ai appuyé sur moi. Mollema, Van Der Poel. Les autres, c'est terminé. Accélère. C'est compliqué. En tout cas, nous, on va devoir récupérer du gel bleu. Il y a Mathieu Van Der Poel qui est pas mal. Hein. Van Der Poel, ah, il faut quand même qu'il termine de prendre son gel rouge. Oh, la Philippe, il a fait une belle différence, là. Faut pas laisser partir à la Philippe. Faut pas laisser partir, mais ils l'ont compris. Enfin, ils l'ont pas compris, hein. Il y a que moi qui fais l'effort. Il reste quand même 8 km, hein. Mais à chaque fois, je me fais avoir. Parce que moi, je pense que directement, ça descend. Sauf que ce faux plat, au tout début, tu penses qu'il dure 2-3 km. La partie plane, mais pas du tout. La seule descente qu'il y a, ça dure 1 ou 2 km vers Liège. Du coup, c'est... C'est pas folichon, quoi. Hein. En plus, ça fait tellement mal, là, cette fin d'ascension. De course, on est encore même, on est que 19 pour le moment. Oh, être encore en course, ça c'est encore important par rapport à Van Der Poel. Ah, on a la même barre rouge que Mathieu. Hein. Essayer de retenter de sortir. On m'a laissé partir, on m'a laissé 2-3 secondes. Tac, tac et tac. Vous allez tous suivre les attaques parce que vous êtes obligés. Ah, ça descend, ça y est, on arrive dans la partie descendante, mais Julien, il l'a compris. Hein. La Philippe, il va s'imposer, je pense. À moins qu'on revienne sur lui. Il faut qu'on demande à tout prix, genre à Godu, à Mollema. Au pire, on sacrifie Mollema et Godu. Ok, je vais relayer à bloc. On sacrifie une place pour un Mollema ou un David Godu. Mais il faut à tout prix empêcher Julien de s'imposer. Parce que nous, on a Mathieu et j'aimerais bien faire une belle place. Avec Andy pour nos premiers Liège et Bastogne Liège, parce qu'on est présent, nous, vers Liège. Aïe, il a pris 14 secondes, le bougre. Il est parti là, gros. Ouais, je suis obligé de dire à Mathieu d'attaquer, hein. Mais nous, derrière, on va pas le reprendre, hein, le petit Julien. Hein. Il aura bien anticipé dans les boulevards, mais moi, j'avais pas de bleu. Hein. Là, je suis déjà limité, je vais pouvoir faire le sprint, mais la fin, je vais pas pouvoir faire. Allez Godu, allez David. Oh là 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 là, on a même pas réduit. Même s'il a peut-être plus de rouge. Les gars. Mais gros, attaquez. Allez, allez, en tout cas, moi, je suis obligé de tenter de lancer le sprint de loin. Il a encore du rouge. Même si on se rapproche de plus en plus. Oh non. Oh c'est moche, il va se faire attraper. Je suis en la Philippe. On va essayer de tout tenter. Non mais vas-y Lucenko. Mais comment. Mais vas-y, il m'a bloqué, gros. Van Der Poel, il a rien foutu du sprint. Ils se sont dit à 800 mètres, quand tu leur demandes d'attaquer, à 800 mètres, ils se relèvent. Qu'est-ce qu'ils sont incapables, mes coéquipiers. Van Der Poel, il était le plus rapide au sprint du groupe, il les aurait fumés. Ouh, ça me saoule dans ce jeu. Bon, au moins, on fait un beau petit top 10. Mais vas-y, par contre, j'avoue, il m'a bloqué, là, le petit Lucenko, là. Déjà qu'il est cheaté dans le jeu de base, en plus, s'il me bloque, lui, ça va mal le faire hein, pour le petit Alexei. Hein. Parce que là on était bien, il y a la Philippe qui se reprend, il se fait totalement un peu bloqué. Là il y a Lucenko, tu sais pas pourquoi il me bloque. Alors que je n'ai rien fait de mèche, je suis gentil moi. Non mais pour le moment ça va. Hein. Mesdames, vraiment, j'aurais mieux fait de leur demander d'attaquer. C'est Van Avant Mat qui gagne. Bon j'ai Véa qui gagne. Ouais, on aurait dû gagner normalement, mais vu notre équipe qui sprinte pas, on fait 9. Voilà, on fait 9e, on a remporté un monument quand même. On fait une belle 9e place, et là, t'as Van Der Poel, il fait 16, il s'est dit, tiens, on va lui foirer sa stratégie. Par contre, niveau PPC individuel, ben, on est 4e. On est remonté à égalité avec Wout Van Aert. Et par contre, il prend 100 PPC, là, le bougre. Et j'avoue là le petit Greg Van Avermaet, on l'a pas vu pour le moment, mais il est là. 908 PPC pour notre équipe, on en est à 1000 pour le moment. Faut quand même rester sur nos gardes, mais pour le moment c'est bien. Du coup, voilà, on a un petit plus 3, ça fait 79.4. Du coup, alors, en résistance, terminer Liège-Bastogne-Liège. Et terminer Liège-Bastogne-Liège en endurance, du coup, plus endurance et résistance. Et plus un vallon avec 74 vallons. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Du coup, en lâchant votre meilleur commentaire,
Meilleur commentaire, partagez cette vidéo à vos amis, à votre famille si cela vous a plu. Abonnez-vous si ça n'est toujours pas fait. Activez la petite cloche des notifications et lâchez votre meilleur pouce en l'air. C'était Cyclisme 3D. Ciao la team.